Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions, tout nu. Pas même, toujours t'abuses. Toujours t'abuses. Ah, c'est compliqué les gars. On a tous essayé de le faire une fois dans notre chambre quand on était gamin, se transformer en mode Super Saiyan comme Son Goku. Et c'est pour ça aujourd'hui, on s'est dit que comme c'était nos exemples, tous ces personnages de héros, tous ces personnages de manga, on a voulu faire une tier list. Ouais, des meilleurs physiques et les plus éclatés au sous-sol. Voilà, donc à savoir, on a pris les mangas à peu près les plus connus, en ceux tout cas, qu'on connaît, ceux que nous on connaît. Donc moi je suis pas un asiatophile on aurait pu en rajouter, mais ils sont pas musclés, donc ça avait pas de grands intérêts. Voilà, mais les principaux je les ai vus. Pimous, il est un peu plus calé sur le sujet. Il y a pas beaucoup de mangas de mecs musclés que j'ai vu, moi c'est beaucoup des mangas autres, mais ouais, ça va. Donc vous allez kiffer, si vous voulez faire la tier list, elle est en description, n'hésitez pas. Si vous voulez acheter un t-shirt FF, c'est en description, n'hésitez pas. Si vous voulez faire des dons, c'est en description, bah frère, puisqu'on y est. J'abuse quand même. Hop, on passe sur la playlist. Vas-y, je te laisse prendre les rênes vu que c'est ton domaine, le manga. Non, je vais te laisser prendre les rênes parce que le premier, c'est Mark Landers. Ouais, Mark Landers. On a mis... Il n'y a pas que des combattants qui font de la MMA, qui font de la lutte. On a mis aussi des footeux. Donc là, Mark Landers, physiquement, il n'est pas dégueulasse, tu vois. On va pas le mettre forcément dans... Pour un mec qui fait du foot, il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas dégueulasse. Après, je pense pas qu'il va être chimiste expérimenté. Ah non, pas déconner. Il n'est pas volumineux. Ça, c'est réservé à l'élite. Mais il est bien tracé. Mais le truc, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de voleurs qui sont pas forcément volumineux, les mecs, va, hein. Mais qui cherchent quand même. Ouais, c'est vrai. C'est pas, peut-être qu'ils prennent le PO, ils prennent des trucs pour. Tu connais des noms, toi. Ouais, ça booste. Ok, non, ok, y'a pas de problème. C'est les cyclistes qui prennent ça, les gars, c'est pas les bodies. Ça marche, y'a pas de problème. PO, t'as dit, intéressant. Ouais, allez, il va se renseigner. c'est juste pour l'endurance, gros. Ouais, mais intéressant. Si, si, pour les séances cuisses, frère. Mais on va seulement se baser sur le physique. Moi, je pense que je le mettrai en. Crossfitter. Ouais, je le mettrai en crossfitter aussi. Crossfitter ? Ouais, crossfitter, okay. C'est bien. All Might, c'est ta carte. Le deuxième, c'est All Might. All Might, ça, c'est un de mes dessins animés préférés. C'est pas mon personnage principal que je préfère, mais je l'aime bien. Moi, c'est Endeavor que je préfère. Ah, dans My Endeavor, il est. C'est bizarre. Endeavor et son fils Todoroki. C'est peut-être parce que je suis pas à fond dans les mangas, mais c'est toujours le personnage principal que je kiffe. Oh, t'es vraiment le mec nul en fait qui non, suit la masse, le non, mouton. Non, je suis pas quoi. La masse, mais si, c'est le mouton. Dans tous les mangas, c'est lui qu'on met en avant. Donc, c'est lui que t'as envie d'aimer. Non, c'est lui l'anti-héro, c'est lui, tu vois. Il te ressemble un peu. Toi, tu vas me dire, All Might, c'est le mec qui te ressemble le plus. Platé ? Non, il me ressemble pas. Ah non, toi, c'était Endeavor. Moi, j'aime bien Endeavor, Todoroki. Pas pour ça, parce que c'est des mecs, tu les vois moins, mais quand ils sont là, ils doquent tout. Ah oui, il est mort. Il est mort. Je te le dis. Qui est mort ? Vous l'avez pas vu ? Il est mort. Non, il est pas mort. Il est pas mort, non ? Ah non, il est pas mort. Ah ouais ? Nice tentative de spoil, mais pas du tout. Saison 5, j'ai pas encore vu. Tant mieux. Lui, là, comment il est énorme, je dirais. Il est énorme, gros. Moi, je l'aurais mis dans chargé. Un malade ? Non. Mais ça, c'est un physique de bodybuilder qui fait Olympia. J'aurais mis chargé. Non. Chargé. Bah, dans la tier list, il y a pire que ça. Bah, parce que si lui, je le mets là, faut créer une tier list au-dessus et mettre sans violet, tu vois, frère. Bah, déjà, on a hésité, on a mis chargé, on s'est dit, non, il y a un truc au-dessus de chargé, on a mis chimiste expérimenté. Mais pour moi, il en fait clairement partie. Bon, on va mettre chimiste expérimenté, mais pour moi. Frère, non, pas pour moi. Mais sans Goku à côté de All Might. All Might, il détruit. Ouais, il encule. Mais met Oliva à côté de lui, c'est sa pute, hein, All Might. Hein. Qui ? Olivier ? Oliva, tu le prends, il prend son chibre, il le claque sur le visage d'All Might matin, midi, soir. Hein. Ok, Hisoka de Hunter x Hunter que t'es en train de regarder en ce moment. Bah, Zemelland, il y a la catégorie Zemelland parce que vu la photo, non, il y a un bon physique en vrai, je pourrais me branler. Pardon ? Bip fort. Ça, c'est un physique à la Jijo, tu vois. Physique des plages, c'est physique ça, bien c'est propre. Pour ça que je kiffe, tu vois. Moi, on voit ses veines un petit peu là, non ? Tu vois, tu veux jouer son chibre ? Ah, moi, quand c'est veineux comme ça, c'est bien sec, mais ça reste volumineux, je kiffe. Je le mettrais bien en Golden. Si on le met pas lui en Golden, on en mettrait pas. On va pas en mettre beaucoup. D'accord avec toi. Atteignable naturellement, tu vois, mais il faut être chaud. Alors, il faut être chaud. Tu vois. Non, prenez des coachings sur www.fitnessfusion.fr. Casse les couilles. Faut passer. Moi, maintenant, à chaque personnage, je place ma pub. Personnage suivant, c'est Vegeta. Vegeta, d'ailleurs, ça, c'est... pour lui ressembler. www.fitnessfusion.fr. Évidemment. Ça, c'est mon personnage principal de Dragon Ball. Parce qu'il est pas doué de base et il donne tout pour attraper Goku. Il travaille 100 fois plus pour être au même niveau Goku et il n'y arrive pas quand même. Mais il donne tout, il s'entraîne vraiment comme le numéro 1. J'ai jamais vraiment kiffé. Pourtant, c'est je le kiffe. Plus fort et tout. Je le kiffe. Mais c'est trop haineux, frère. Ah ouais? Il veut être le meilleur. Bah, y a raison. Moi, j'aime bien. C'est un vrai Rital, frère. Goku, c'est facile. Il calcule personne, c'est lui le meilleur. Non, frère. Lui c'est un vrai Rital. Lui, c'est le genre de mec qui met des dislikes à tes vidéos, je te le dis. C'est un mauvais perdant. Ouais, c'est un hater. Mais je l'aurais mis dans chargé. Pour moi. Ouais, c'est un chargé. Je l'aurais mis chargé. Si Hisoka y est Golden, Vegeta. Ah, il est chargé, il est dedans à 100%. Prends un personnage que tu connais. J'ai envie d'en faire un fun. On va prendre Usopp. Grosse shape, hein.
O-Shape. À la Arouf, hein, Arouf Gangsta, ah, hein, je te le dis. Moque-toi pas trop, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui nous regardent, qui ont à peu près ce physique-là. Donc les gars, faut savoir que c'est pas une fatalité, parce que vous pouvez prendre des coachings sur www.fitness.fr. Oh, le forceur de fou, frère. On va se faire enculer. C'est notre chaîne. On va se faire attraper par le callback, frère. On fait ce qu'on veut. Si je veux, pendant 15 minutes, je dis www.fitness.fr. S'ils vont t'attraper là, gros. Usopp. Bah lui, déjà, c'est mon personnage préféré. Bah tu vois, dans One Piece, c'est lui mon préféré. Parce qu'il fait rigoler. C'est pas Luffy. Ah ouais, il me fait trop rire. Trop marrant. Il y a pas photo. Hein. Pratiquant, il fait du yoga en club lui. Tout ce qui est étirement et tout. Il connaît bien lui. Ça c'est Ayo Iyo, un truc comme ça il s'appelle. C'est dans Jujutsu Kaisen. C'est le mec qui dit my best of friend. Lui il a une sacrée shape. Lui. Ah non mais je le vois trop. Là déjà sur la. Lui c'est photo. Trop. My best of friend. Lui il est énorme gros regard. Énorme. Mais c'est trop, tu vois, moi c'est parce que... Énorme gros, il est monstrueux. Lui, je l'aurais mis dans... Il est énorme, mais pas autant qu'All Might. Vegeta, c'est une saucisse. Hein. Oui, mais regarde, il y a des mecs qui sont chargés, et pourtant, c'est des saucisses à côté des mecs d'Olympia qui sont chargés aussi, tu vois. Là, ouais, c'est bon, je vois. Tu vois ce que je veux dire. Lui, je l'aurais mis là. Bon, chimiste expérimenté, ouais, All Might, ok. Il finit 6ème et l'autre, il finit 1er. Ok, ça marche. On est en train de faire Olympia sur des mangas, normal. Nous, on fusionne ici, là, on fusionne manga et muscu, c'est parti. Vas-y, Killua. La photo est pas mal, hein. Je le voyais pas aussi musclé dans l'anime. Il est propre, hein. Ils l'ont trafiqué un petit peu, non? Non, non, c'est comme ça dans l'anime. Bah, c'est classe, hein, il y a pas mal d'abdos. Lui, il fait du poids de corps, tu vois. Ouais. Lui, il est chez soi, il va pas faire du street. C'est un Alex Levent, lui. Ouais, c'est un bon Alex Levent. Du coup, il fait du yoga. Non, La balle gratuite. Bah, c'est un pratiquant de yoga, non? Parce qu'il quand même. Non, c'est pratiquant de yoga, t'es pas comme ça, frère. Hein? Pas comme ça en pratiquant du yoga. Un petit crossfitter, un j'aurais crossfitter, dit. Tu vois. Mais tu crossfitter. Crossfitter ectomorphe, mange pas trop, mais qui s'entraîne très dur. Tu maigrichon. Allez, suivant, il se fait des salades à tous les repas, mais ouais, il s'entraîne comme un dingue. Un seul repas par jour, au calme. Voilà, mais vous allez être tracé comme ça, les gars. Ça, c'est Kagami. Ouais. Kagami Taiga de Kuroko. Ah, ok, l'attaquant. Ouais. La zone. Qui saute de plus en plus haut. La zone. On peut y accéder ou pas naturellement à la zone? Bien sûr que oui. Justement. C'est quand t'es dans un état de concentration vraiment maximum. Ultime. Ouais. T'es déjà arrivé sur Valorant, d'un coup, tu deviens trop fort, t'es concentré à fond. Bah, c'est pareil. Lui, je le mets dans Golden. Pour moi, ça, c'est Golden. Impossible. Crossfitter. Ce qui est quand même bien massif, gros pec, bon dorso, et bons abdos, il reste sec, et il est grand, il fait, je crois, il fait 1m90, ouais, en fait, 95. Il n'y a pas de chance parce qu'il est grand, sinon il est très grand, mais pour volumineux. Moi c'est Golden. Ah, je le mets en Golden aussi. Direct. Inosuke. Inosuke. Le malade mental de Demon Slayer. Aussi. Que de la bagarre, frère. Que du jus de bagarre, lui. C'est quoi sa réplique? La bagarre, frère. La bagarre. Il s'en fout, il veut que se battre, lui. Lui, je le mettrais peut-être en crossfitter, mais j'hésite à être Golden parce que sur la photo, il est volumineux. Mais c'est pareil dans la mini. Animé, c'est différent. Pas... Je vais pas leur dire là ce que je me fais faire en pleine vidéo. À qui une tonne 6 de carrelage déchargé. C'est normal. Moi j'ai fait du squat ce matin et il me fait décharger des camtars. Après moi je dois encore faire ma sans cuisse. Moi j'ai quitté l'usine, c'est pas pour y revenir. Avec moi tu vas y revenir très vite. Alors. On était où? Inosuke. Golden, c'est parti. On Golden. Voir le prochain. Là, il y a c'est Saitama. Saitama. Lui ce qui me gêne c'est pas sa physique, c'est sa force. Ouais non c'est pas normal là. On non lui c'est trop lui. Un coup de mettre KO. Lui je l'aurais mis dans chargé direct. C'est quoi la phrase que t'as dit dans ta dernière vidéo là? Combien de rounds pour te mettre KO? Voilà. Ça, c'est sa phrase à lui. Lui, c'est un round, frère. Il n'y a pas de... Ah, il a un sacré physique. Je le mets en Golden. Mais je l'aurais mis en Golden, ouais. Direct. Ah, là, on parle. Là, on parle de bien. De chargé, sûr. Ah bah ouais, là, il n'y a pas photo. C'est quoi son... C'est Baki? C'est Baki. Baki, c'est chargé. J'ai pas envie de le mettre en chimiste expérimenté. Non, y a des limites. Mais quand il est congestionné de fou, tu vois, il... Chargé. Ouais, chargé. Pas au-delà. Chargé, sûr et certain. C'est comme toi sur Insta quand tu fais une photo. Ou comme toi, par exemple. Lumière, ou comme toi dans le miroir de Fitness Park, là. Ok, ok. Ouais, une semaine de cheat, machin, il est encore plus gros que on quand... Peut, on peut voir un exemple. Shiryu, personnage principal de Jijo. Je vais te laisser le faire, son personnage principal. Mon personnage préféré de Jijo. Préféré, ouais. Si vous l'avez pas vu, c'est un vieux manga, n'hésitez pas. Shiryu. C'est un crossfitter. Ça fait mal au cœur, mais c'est un crossfitter, gros, on est d'accord. Mais c'est dommage parce que quand on était... On avait quoi, 8-10 ans, je le trouvais ça. Énorme. Je me disais, il est énorme. De fou. Oh là là, lui, c'est un bon. T'as un meilleur physique que Shiryu. Ouais, mais j'ai pas la colère du dragon, moi, frère. Essaye, on sait jamais. Hippo. Ah, Hippo, tu sais, quand je l'ai vu, j'ai voulu m'inscrire à la boxe direct. Ah, il est fort, hein, c'est un bon boxeur, hein, mais physiquement. Manga surtout, tu regardes ça gros, t'as envie de faire de la boxe. Physiquement, c'est un petit solide Mike. Un petit solide Mike? Ouais, explosif, rapide, un peu musclé. Enfin, musclé quand même bien, solide Mike, tu vois, mais je l'aurais mis dans cette catégorie là. En crossfitter? Ouais, il est pas golden, solide Mike, il a une bonne génétique, mais il est pas golden. J'aurais mis crossfitter. Mais, non, mais il a des bonnes insertions, il a un bon physique. Ouais, et tout, ça mais... rend bien. En mais le truc, c'est qu'il il touche à beaucoup de sports, c'est pour ça qu'il est pas full body. Ouais, aussi. Moi, j'aurais mis crossfitter. Allez, là-dessus. Des sereines dans les fesses. Allez, tous les matins. Même le midi, le soir, des fois. Oliva. Il y en a, ils prennent des collations. Lui, il prend des collations. Tout à l'heure, tu des m'as dit dans qu'il le fion, frère. Qui te faisait penser à un bodybuilder. À Phil Heath. Ou à Ronnie Coleman, même. C'est les mêmes. C'est tout pareil. Donc, ces mecs-là, hein, ceux qui font Olympia, ils sont chargés. Les. Ah, bah, bien sûr. Ils s'envoient à foison. Bien sûr. Naruto. Oh, déjà, on a cherché une photo de lui, de son physique, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé, il n'y a pas de... Il est juste fort à la bagarre, frère. Technique de yoga. C'est la gra. Ça, c'est Escanor. Tu connais pas, toi. C'est un.
monstre. Lui, c'est un chimiste avancé, direct. Je le dis, c'est un chimiste avancé. Il est énorme. Il est fort à fond. Mais ce qui est marrant, c'est que regarde pour l'histoire, Escanor, il a deux formes. Quand il y a le soleil, il est énorme. Et quand le soleil se couche, il ressemble à ça. C'est pas vrai. La vie de ma mère, il ressemble à ça. Là, ah, c'est quoi? Ah, tu sais pourquoi? Là, c'est quand il fait sa relance. Il y a des voilà. Cycles. Voilà. Là, il est en off. C'est sûr, il est dedans. Dès que le soleil se couche, hop, il est en off saison. Et dès qu'il se lève le soleil, hop, il repasse en on. Aucun doute. Regarde. Ça, vous pouvez le voir, hein. Si des maîtres du feed game, vous les voyez un coup bien, un coup moins bien, c'est qu'ils jonglent avec les produits. C'est ça. Sangoku, aka Jijo. Oh, je pensais pas que t'allais le dire. Bah, j'allais dire chargé, mais non, je ne suis pas dans Golden. Donc Vegeta est chargé, mais... Bah, Vegeta, c'est plus toi. Pas Goku. Ah, c'est gratuit comme ça, des c'est balles gratuites. Ouais, ça part dans tous les sens. Non. En plus, Vegeta, il a utilisé des machines, je crois, pour atteindre certains niveaux de Super Saiyan, donc il a utilisé des aides externes, on peut dire qu'il est chargé. Ah ouais, non. Les deux sont dedans. Non, tu n'y échapperas pas, Jijo. Ce n'est pas la peine. Broly. Broly, c'est chimiste expérimenté. Direct, on est d'accord. Il n'y a même pas à chercher à comprendre. Bah, lui, déjà, c'est quoi son histoire? Ils l'ont piqué quand il était petit. Ah ouais, lui, des seringues dans le cul dès la naissance, frère. Non, mais je me souviens plus. C'est le guerrier légendaire. Ouais, okay. C'est ça. Tortue géniale. Un coup en off, un coup en on. C'est clairement comme. Un coup bien, un coup pas bien. Comment il s'appelle? Escanor. Vous le savez. Chimiste expérimenté. En plus, il est bien quand il est en cure, attention. Hein. Ah, si je devais faire un podium sur les 5 premiers en chimiste là, Phil, Ace là, je sais pas quoi. Olivia là. Olivia direct à Broly ensuite. Deuxième, troisième lui. Lui le chinois là. Quatrième All Might. Et on finit avec. Escanor et Tortue Géniale parce que c'est moche. Ouais, c'est ça le truc. C'est trop... Mais esthétiquement parlant, de tous, lui là, de Jujutsu Kaisen, il est énorme, hein, mais c'est pas mon préféré. Ah ouais? De tous sur tous. Ouais, moi j'aime bien Baki. De tous les physiques, je trouve Baki il est incroyable. De toute façon, les dessins dans Baki, c'est incroyable. Les muscles ils sont trop bien faits, gros. Tu vois, triceps, petite portion, longue portion, c'est n'importe quoi. Tu vois, si on était plus Golden, c'est bien. Non, mais si on était plus jeune, on aurait dit Golden. C'est déjà peut-être trop, tu vois. C'est peut-être trop. Ouais. Alors que maintenant qu'on a évolué physiquement, qu'on est dans Golden ou proche. Voilà, on veut plus. On veut charger. Mais on n'ira pas. Moi, personnellement, chimiste expérimenté, ça m'intéressera. Ça s'intéresse pas. C'est des mecs qui ont des objectifs de compétition. Après, c'est pas des mecs qui sont chargés. Ils sont chargés. Ils envoient peut-être moins, mais ils envoient quand même. Voilà, c'est tout bon. C'est tout bon. On part sur l'entraînement Super Saiyan. On part faire des super sets avec les carrelages. Alors, on va conclure, les gars. Merci d'être resté jusqu'à la fin de vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un like pour le référencement, c'est important. C'est ça. N'oubliez pas aussi de nous soutenir avec les compléments alimentaires si vous en prenez. Whey, brûleur de graisse, tout ce que vous voulez, c'est sur qntnutrition.com. Et s'il y a des physiques dans les animes qui vous intéressent, dites-nous en commentaire lequel vous motive lorsque vous le voyez. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de... Rengoku. Kunpachi. Kenpachi. Force. Et Fun.